futur. Paris, très belle ville, mais pour autrui, ville de mon cœur. Wow, ok, c'est un but, j'en ai pris quelques-uns bien stupides. Donc, je préfère oublier les paroles parce que prendre un but des fois bête, ça fait mal, ça fait très très mal à l'orgueil. Travailler tard, toujours tard. Wow, la fougue de Beethoven, mais la classe de Mozart. Mozart quand même. House 21. Se dépasser soi-même. HC à joie, mais j'aime aussi le HC bien. Coroner, sans aucune hésitation. Lady Di. Allez, on va dire Kiss, parce que c'est le groupe qui a fait que j'ai commencé à faire de la musique et surtout de la guitare. 7. Framboise. Kiss se termine. Maradona. Alors, il fut un temps que j'aurais répondu gros solo, mais un bon riff, un grand riff bien placé, ça reste quand même assez tueur. Jimmy Page, sans aucune hésitation. Pink Floyd. Jamais posé un lapin à un fan. Oh mon Dieu, ça c'est difficile. Très difficile. Oh là là. Si on peut faire un mix des deux. C'est très dur. Là, Joker. Tant qu'il y a des patates et de la mayo. Steve Vai, le maître. Ah là là, c'est difficile parce qu'ils sont pas loin. Mais quand même un bon solo de batterie. Excuse-moi, Kurgan. Quand même la classe de Paul Stanley, c'est quelque chose. Auparavant, j'aurais dit guitare. Mais actuellement et pour le futur, je dis sans hésitation, chant. Stairway to Heaven. Destin. Costume de scène. Ah, la bras, il est là. Ah, la version Silverdose, parce qu'il y a le fantastique Mr. Lordi qui chante dessus, et c'est un grand honneur. Alors, on va dire que c'était très spectaculaire la technique des gardiens d'antan, mais ouais, bon, moi je reste assez sur cette ancienne technique, j'aime beaucoup. C'est beau à voir. Lèpre chaude. Wow, au niveau de la qualité musicale, qui sans maquillage a fait vraiment des compositions assez incroyables. Il y a des albums mythiques, hein, comme l'album Kill Up, comme Asylum, comme Animal Eyes. Pour moi, ça reste des monuments. Après, pour le show, Kiss avec maquillage, bien entendu. Christian. Oh, mais avec Mozart, pas la nuit, hein, bien entendu, hein, la journée. French Kiss avec ma chérie, forcément. Chanter en français, c'est toujours un pari. Donc quand j'arrive à créer une chanson avec un texte français, je suis très fier. Mais chanter l'anglais est plus simple quand même. Et j'ai beaucoup aimé Kiki Crétin, le hockeyeur, mais il faut évoluer, donc on va dire Lord Campbell.